natif. C'est magnifique. Alors, Corail, quand tu disais que tu voulais la vue sur la mer, tu t'attendais pas à voir l'océan sous ton balcon, hein? Oh, oui. Au moins ici, on décompresse, on respire. Franchement, il a pas assuré sur ce coup-là, ton bonhomme? Ça peut assurer, il l'assure. Non, mais attends, c'était pas évident, hein? Il y avait des tas de poissons clowns qui avaient des vues sur cet animal. Ah, je te dis pas la liste d'attente, ça a été la foire en voile. Tu t'es bien débrouillé. Et le quartier est très sympa. Dis-moi la vérité, t'es sûre que tu es heureuse? Non, je t'assure, mon chéri, je suis très contente. Bien sûr, je sais que le grand large est très couru, qu'il y a des écoles formidables, que la vue est magnifique et tout ça, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de tant d'espace? Corail, chérie, voyons, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Rien ne sera jamais trop beau pour eux. Regarde. Ils se réveilleront le matin, et qu'est-ce qu'ils verront en ouvrant les yeux? Des baleines! Juste sous la tête de leur chambre. Tu vas les réveiller. Oui, c'est vrai. Regarde-les. Ils rêvent. Il va falloir leur trouver des noms. Tu veux leur trouver des noms à tous tout de suite? Très bien. On va appeler cette moitié Marin Junior et l'autre moitié Marin Junior. Voilà, c'est fait. J'aime bien Nemo. Nemo? Bon, on en appellera un Nemo, mais les autres, j'aimerais les appeler Marin Junior. Il n'y a que d'ici 2 jours, nous serons parents. Ouais. Et si jamais ils ne m'aimaient pas? Mais c'est des choses qui arrivent, hein? Il y a plus de 4 sous eux. Statistiquement, il y en a forcément un qui t'aimera. Quoi? Tu te souviens de notre première rencontre? Oui, et je préfère l'oublier. Ouais, je m'en souviens parfaitement. Excusez-moi, mademoiselle. Pouvez-vous regarder si j'ai un hameçon dans la lèvre? Oh, regardez, je crois qu'il est planté assez profondément. Oh, le sauveur est là. Ah. Ils sont où?